Allez-y les enfants, faites l'amour, j'aime beaucoup quand vous faites ça. Et on peut couper le jus. Alors on va en profiter pour le rallumer de ce côté-ci. Voilà. On aura peut-être la chance de voir une place tassée du premier coup, mais ça m'étonnerait beaucoup. Qui est-ce qui fait une fête ? Rayman, mais c'est une bonne idée. Alors, le chauve, tu es à 100%, tu es à... Ok, t'as assez joué, voilà. Fais la fête. Libellule, tu es occupé de méditer dans ton lit, toi. C'est rare, ça. T'as combien ? 76. Tu te lèves. Ouais, il va faire la fête avec tout le monde. Qui est-ce qui fait la fête? Tout le monde. Moi, j'aime bien quand ils font la fête. Hein. Ça. La fête. Toi, tu finis ton truc. Bud, fais la fête. Maker, fais la fête. Allez, Rayman, on se dépêche comme ça, on peut faire la fête, hein, comme tout le monde. Allez, hop. Voilà, c'est bien, ma chérie. Bud. Anarchiste. Et puis tous les autres, ils sont bien, hein. La fête. C'est bien, mes petits enfants. Tu fais quoi? Tu fais la fête. Tu fais la fête, tout toi. Le clan du courant. Alors, c'est où? C'est là. D'accord. Bonne mémoire, beau, belle misogyne. Bah, 43 ans, il était pas mal. Bon artiste. Mais bon, ça va être un petit peu difficile d'y aller. À cause... de ceci. Et donc, ben on va... Normalement, il va y avoir un truc hein, d'ici peu, logiquement. Ouais. Frénésie de travail. Mais c'est bien, ça. Libellule. C'est bien. Donc là, on a tout le monde en vert, mais je n'ai que deux personnes... Et celle-ci, ça fait un bon bout de temps qu'elle n'a pas eu. On devrait normalement quand même avoir beaucoup plus d'inspiration. Ben, ils sont repartis. La fête est finie. Allez, on a du tissu. On va ouvrir les portes, je pense qu'à 54 ça devrait aller. Voilà, lance l'assaut. Pour moi, je m'en fous totalement que tu lances l'assaut. Les portes sont ouvertes. D'aller faire l'amour devant tout le monde. Bon, je vais les oublier si je ne les fais pas. Donc, on va... De toute façon, on a plein de... Voilà. Ensuite, ici, je suppose qu'il y en a une aussi. Non, il n'y en a pas. Et ici, on va faire ces deux-là aussi, tiens. Alors, une petite lampe ici pour qu'on voit clair, c'est quand même plus agréable.
Il me demande si je vais pas laisser ça ouvert ici. On va réessayer, on verra bien. Bon. On verra bien. Je voudrais quand même bien qu'il y ait une caravane qui s'amène et qui vienne me bisouiller un petit peu ces trucs-là. Bien que je n'en ai pas fort peur, hein, de ces trucs-là maintenant. Je commence à. Ça va, quand ça ne vient pas ici dedans, c'est quand même plus facile. À cause. Le problème, c'est quand si je refais le même système qu'ici, devant ma porte, on a bien vu que, ils s'en foutent totalement. Que les animaux. Pas les animaux, les. Je ne sais plus comment on appelle ça. Ouais, tirez-vous de là, vous gênez le monde. Et il n'y a plus de lampe ici non plus, hein. Il faut que je refasse une ampoule. Ici. Je vais refaire ça ici, elle sera parfaite. Allô? Okay. Alors, Grizzly, qu'est-ce qui s'est passé, ma belle, que tu es comme ça? Tu souffres légèrement. Avec ton bas, moi. Ah, t'as une douleur de 1%. Et tu souffres avec 1% de douleur. Oh, c'est pas ici non plus, bien entendu. Dommage. C'est ce cobra. Bon, ça fait pas des tonnes de cuir, hein. Et ça, c'est. Eh oui. Ben oui. Ben oui. Ah, j'espère qu'ils vont pas m'en mettre d'autres. Hein. J'espère qu'ils vont pas m'en mettre d'autres. Bon, genre, tu ferais un peu l'amour à Grizzly. Hein? T'as beau être un t'es séducteur, mais question de faire l'amour, c'est t'es pas trop pressé, quoi. Hein? Ok, voilà déjà une armure qui arrive. C'est bien. Est-ce qu'on a toujours assez de courant? On n'a pas de. Non, 3 là-bas, c'est bien, c'est parfait. Ok, on a ramené tout notre stock. Est-ce qu'on a encore un petit peu de place? On peut encore aller en chercher quelques-uns. 1, 2, 3. Je peux aller chercher 3 blocs. C'est-à-dire qu'on va prendre ça. On a combien, je dis? Oh, j'ai plus de place pour l'acier non plus. D'accord. Ok. Alors l'acier, je ne sais plus où je le mettais. Ah oui, il était là-bas. Bon, ben ça va, il n'y a pas de problème. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Voilà, des casques. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant comme place d'acier? J'ai encore 325 de place d'acier, donc ça va. On peut finir nos casques, je pense.
Combien ça consomme un casque de commando? 40 places assises, on en fait 120. On a du clavecin. On a fini notre continuer. Est-ce que j'ai demandé à quelqu'un de spécial pour faire ça? Le scanner géologique. Alors la recherche, ça c'est le scanner longue portée. Scanner géologique 5, 5, maker non. Allô? Ouais, donc normalement il y a quelqu'un qui va s'en occuper. Une petite naissance supplémentaire. Normalement je devrais encore pouvoir en ramener hein. 45 et 40, 85, 85 et 50, 135. Normalement, j'aurais pu en prendre, mais ils n'ont pas été pris parce que je n'ai pas arrêté la machine à temps. 135, on va stopper et on va les compter. 50, 100, 130, 100. 30. Est-ce qu'il y aura un petit 5 quelque part? Il n'y a pas de petit 5 quelque part, donc on va autoriser celui-ci aussi. Voilà. Roulez le petit gars. Est-ce qu'il y a encore de la place? Une place. Deux places. Qui est-ce qui me fait la recherche? Pour le moment, c'est Libellule qui me fait la recherche. Ok. Et j'ai Allo qui passe de l'autre côté. J'ai deux colons inactifs. Alors, on a Tommy et Lisa. Alors, Tommy et Lisa ne me font pas ceci. Travail. Artisan. Tailler des pierres. On a Lisa qui peut travailler les pierres. Et Tommy qui ne peut pas faire les pierres. On va planir un peu de sol quelque part. N'a pas encore été fait. Où est-ce que je peux aplanir un peu de sol? Donc aplanir le sol ne va pas empêcher les araignées de venir, absolument pas, hein. Donc ça, vous l'oubliez. Donc on va prendre dans les ordres aplanir une surface. Avis, il n'y a pas grand chose qu'on va pouvoir aplanir. Si, là-bas. Ensuite, on a encore certainement des murs à faire.
ici pour faire passer les câbles. On va faire ça. Hein. Ah, je devrais plus avoir de mis ça. Comment ça? Bon, Lisa ne peut pas, et Tommy, si, ils peuvent, hein? Non, Lisa, tu fais quoi cette fois-ci? Tu fabriques un comp... Non. Oui, tu peux fabriquer... T'as commencé déjà, hein? Bon, Maker... On va te relancer... Maker... En tissu, actuellement possédé 0, comptez les équipés, uniquement, oui, et le manteau. Donc, Maker, je suppose que tu fais ça. Ah, tu dors, d'accord. On saura tout. Qui c'est qui se prend une grippe? 3! Bah dis donc, oui, c'est un virus, hein. C'est un virus. Bien sûr, Decker, c'est normal, même Maker, Lisa, c'est pas sympa, ça. Maker et Lisa, ok, donc on va vous donner un bon médoc. Alors, Lisa. Médicaments. Maker, médicaments. Et Decker. Médicaments. Sky, est-ce que tu es réparé, toi, au fait, ma petite Sky? Tu as encore... Tu n'as plus. Tu n'as plus. Donc, on va également... On va passer de toute façon ici, voilà. Est-ce qu'on a fait notre... oui, on a fait notre petite bidule. Bon, ok. Assignation. On verra plus tard. Donc... Un colon a besoin de soins, ben tous, hein, oui. Donc, cette fois-ci, qui est-ce qui sont qualité des soins médicaux? Vache, on va s'occuper de ça. Vache, viens me faire d'abord ce mec ici. Vache. Ensuite, allô, tu vas me faire Lisa et l'équerre. Allô, tu me fais... qui sont Decker.
et puis on aura Lisa. Alors, ça me donne quoi, ça? Ça me donne une méchante manipulation en moins. Maintenant, je suis pas sûr que ça rentre en condition avec ceci. Pas sûr du tout. Tu vas rester au lit un petit peu. Par contre, Lisa et Decker, vous pouvez vous réveiller. Lisa et Decker. Alors, Lisa en patient. Et Decker. C'est pas tout à fait ça, je crois, mais ça c'est quoi ça? Nourrit le patient Lisa, ok. Et Lisa, elle dort. Elle a le droit de dormir, ok. Donc on repasse tout le monde en 3. Est-ce que Tommy va choquer? Ah! Le chauffe et Grizzly font quand même l'amour. Par contre, dit Benul Decker, vous le faites encore, oui, de temps en temps. Est-ce que vous faites l'amour? On n'a pas fait trop l'amour hein, cette fois-ci. Decker et Baker. Ok, vache, tu te lèves. Ça, ça doit rester ouvert également. Vache, tu nourris Maker, tu vas d'abord faire des cares réservées par Halo. Fini les sculptures. Allez, je pourrais avoir 1, 2, 3, 4, 5. Il ne reste plus grand chose. Hein. Ouais.
prendrais un petit commerçant, s'il vous plaît. Ça ferait plaisir. La chauve, t'es parti. À mon avis, tu ne veux pas y rester longtemps. Ah, il se passe pas grand chose. Oh là, mes cœurs, t'es pas content. Ah, enterré sous terre. D'accord. Ok. Ben, tu vas te lever et tu vas venir un petit peu dehors. Voilà. Si je fais ça, tu te balades et c'est parfait pour moi. Ça va te faire du bien. Ah oui, ça fait du bien, c'est un mec. Ben, ça avance pas vite, hein. Voilà, peut-être modifier l'équerre. Voilà, le repos est normal. Alors, on va rouvrir ceci, libellule. Alors, on a un problème au niveau de patients, recevoir des soins, on va tous vous passer en 5, alors, je pense. Voilà. Et le repos est bien à 5. Ok. Bon, regardez ce que ça m'a donné. Ben, ils n'arrêtent pas, hein, de... Voilà, je t'ai occupé dessus. Ah, ça se tire de là. Et ici, je voudrais une ampoule. À cet endroit-ci. Voilà. Comme ça, on voit clair quand il y aura une bagarre. Je verrai un petit peu plus clair que d'habitude. 44 degrés là, 21, 18, moins 2, moins 3, tout va bien. Alors, je crois que j'ai quelqu'un qui n'a pas d'arme. Je ne sais plus qui. Cette dame qui n'a pas de...
Dan, tu n'as pas d'armes. Ok, donc dès que tu as fini, tu vas te prendre un bon flingue. Alors j'ai Allo qui est occupé et qui a des grenades, qui ne va pas reprendre des grenades. Bon, Decker. C'est marrant, hein, le repos. Comment ça se fait, le repos? Donc là, vous voyez que comme il est au lit, il gagne 7%. Et qu'il est au repos, il a en plus 10% ici. En plus, quand il est reposé, nourri, tout ça. Tout ça, ça joue sur la valeur finale de la réponse immunitaire. Maintenant, j'aurais voulu voir pourquoi est-ce qu'il dort pas. Pourquoi il récupère pas tellement de son sommeil. Multiplicateur de taux de repos. Étant donné qu'il est malade, il a la grippe, il n'a plus que 90% de respiration. Donc là, il perd un petit peu. Donc il perd 3%. Ouais, 30%, hein, donc sur 100, ça fait 3% ici. 10% fois 30, ça fait 3% hein, en moins. Intéressant. Ok, c'est bien. Et donc, il se repose un petit peu moins bien. Voilà, c'est tout. Ok, on va regarder un petit peu si nos patates sont... Les patates sont cuites, hein? Les patates ne sont pas cuites encore. Mais elles vont être cuites. Elles vont bientôt être cuites. Les patates sont cuites. Petite quête, non, toujours pas non plus. Alors, il me reste presque plus rien comme place. Mais bon, on a quand même pas mal de belles. S'est réveillé le petit. Que Maker, tu vas te relever. Et tu vas venir te promener un petit peu dehors. Le cargo. Alors, une capsule de cargo, c'est pas chez nous. Tu viens me donner quoi? Des rations de survie. Ben c'est bien. Ma pauvre Lisa, toi aussi tu as certainement besoin de sortir un petit peu. Ouais, je vois un petit peu d'harpe déjà. D'un autre côté... Non, ça va, à l'extérieur c'est bon.
Un colon a besoin de soins. Vache est occupée de soigner Maker. T'as eu que 85%. Tata. Malgré les médicaments. Et c'est parti, te reposer. Et Vache va s'occuper de toi tout de suite. Bon, on dirait qu'on manque un petit peu d'énergie, nouveau. Parce que il fait noir et il n'y a pas de vent. Ok, ça devrait. Malgré tout, on tient le coup quand même. Malgré que tout est allumé, enfin tout, presque tout est allumé. Après, on va arrêter. En faire une, c'est bon. J'aurais plus assez de place dans le truc. Non, ouais. Bon, Maker, je voudrais que tu te. Un colon inactif. Un Reman. Dis-moi qu'il n'y a plus de pétards à faire. Non? Alors pourquoi tu vas pas me faire des pétards? Parce qu'il y a Allo qui me fait des médicaments. D'accord. Et qu'il y a Nan qui en fait de l'autre côté aussi. Oh, on n'a plus de place pour le lait. Bien. Donc, on va augmenter la superficie du lait. Voilà. Et on va l'ajouter jusque-là. Ce lait, il faut absolument que je puisse le vendre. Hein. Il faut que je puisse le vendre. Donc, on va demander dans les zones. On va ajouter une zone carnivore ici. Et ici. Ok. Fabriquer une petite sculpture. C'est fini. Donc, on peut maintenant réattaquer. Là et là. Ok, Chauve va pouvoir nous faire ça. Bon, ça a du mal à se remplir, hein. Ben oui, il n'y a plus trop de place. Ben. On a pu en protéger quelques-uns, mais je ne suis pas sûr que ça marchera. Hein. On verra bien. On verra bien. Et on va pouvoir commencer à creuser de nouveau un petit peu. Alors, on va pouvoir recommencer à creuser. Ok, on a fini les miniguns. On va se lancer, on va continuer, pardon, le lit médical. Bien.
Et on va regarder comment on peut faire un million. Donc on a fini le cocktail, on a pas vraiment besoin. Des jus de pare-balles, j'en ai 11, c'est parfait. Oui. Via pompe, non, non. On va regarder si c'est ici le minigun. Je pense que c'est là quand même le minigun. Pas sûr. Et non. Ça se passerait ici. Ça se passerait ici, à mon avis. Et non. Non, non, c'est bien là. C'est bien là. Alors, le minigun au but. Lance-flamme, lanceur de fumigène, IEM, carabine, fusil à pompe. Mitrailleuse, le minigun. On va ajouter le minigun. Alors, le minigun, il compte 20 composants. Vous voyez que c'est énorme, le composant. Eh oui, c'est énorme. Donc, j'aurais préféré en récupérer un parce que, je veux dire, sincèrement, je suis pas certain que la qualité... Bon, elle va jouer. Si j'ai une très bonne qualité, ça va augmenter un petit peu les dégâts. Et la perforation, je pense. Mais à part ça, alors, hache combat. Est-ce que c'est H combat maintenant? C'est plus là? Il n'y a plus de H combat? Si. Pourquoi tu dis incompatible? D'accord. Donc, je veux ici avoir les miniguns. En arme à distance. Le minigun. Mais on va attendre que notre ami soit guéri. Necker à H-Combat. Bon. Mon petit Necker. C'est quand même... quelque chose, hein, que je n'ai que deux inspirations. Et ça n'avance pas. Hein. Bon, tant pis. Voilà. 20 composants. J'ai 4000 de métal. J'ai 45 de composants. Donc là, jusque-là, ça va. Le chauve a fait. Alors, il y a une figure illustrant Mike, anarchiste midget, fermant les yeux et entouré d'une aura blanche. Plusieurs pélicans se reposent paisiblement. L'œuvre représente ce que pense l'artiste d'amitié. L'artiste sur l'amitié, oui. Cette gravure raconte l'histoire d'anarchiste en train de prier le 11 juillet 5514. Chérie, allez, commence à faire moins chaud. Ici, c'est prêt à récolter. Mais est-ce que ici en dessous... Oui. Donc tout ça, je n'ai pas besoin de m'en préoccuper. Celui-ci, par contre, on va le récolter comme ceci. Et
Est-ce qu'il y en a d'autres que je devrais récolter comme ça? Oui, donc tout ceci ici, on va virer tout ça, ça ne me sert plus à rien. Donc, ordre, on va soit récolter. On peut pas. On va couper les plantes. Voilà. Et on va virer. Non. Ah non, il y avait. Ah non, pas obligé. Je n'ai rien dit. Annuler. Allez, on est le 8, ça fait 6 jours que j'ai démarré la vidéo. Nous souhaiterions, on va peut-être se faire un petit passage un peu plus rapide. Voilà, on va faire notre premier chemin par là et on va se faire une copie ici. Et ça, pas oublié. Alors, 29 jours, ils sont pas encore...
Ils ne sont point encore. Venez ici, mon ami. Alors, partie de vaisseau spatial. Fait pas chez nous non plus. Ouh, il y en a trois. Waouh. Ça, c'est 24 composants. Et peut-être bien 90 aciers. C'est pas mal. Bon, on voudrait quand même bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous dire bonjour. Monsieur Maker, si je vous mettais dans votre planning, Monsieur Maker, quelle heure il est là? 23h? Il est 23h. Vous me fassiez un petit peu de loisir, Monsieur Maker, s'il vous plaît. Mais que vous me fassiez ça ici. Voilà, aux échecs. Là, vous allez être bien comme ça. Miss Bud, vous me faites quoi? Vous avez quoi comme problème à chaque fois comme ça? T'as été repoussé par Tommy. Ouais, bah Tommy est avec Vache, hein, je te signale quand même. Donc, si t'as envie de coucher avec quelqu'un, Bud. Tu as Maker, tu as plein de gens qui t'intéressent normalement. Tu as pas trop quand même, non, effectivement. T'as non, t'as vraiment pas. Qu'est-ce que t'as comme problème avec Maker et anarchiste? Carrément anarchiste, il t'aime pas. Hein. Et avec Maker. Ah, il est plus à écrire maintenant, lui. Bah, on verra bien. T'es déjà fini, Maker? Comment t'es là? Ça fait ton extérieur, ok, c'est bon. On te replace ton planning normal. Bon, si ça veut pas venir... Ah oui, vache, ma chérie, c'est la vie, ma belle. Tu vas aller me soigner, ce mec-là. Malo, il peut aller soigner quelqu'un d'autre, s'il le souhaite. Moi, mes cœurs, c'est mon chouchou. C'est mon chouchou, mes cœurs. Il n'a plus que 44. Et il n'a pas encore fait un seul légendaire, hein, il faut dire, quand même. Hein. Allez, les enfants, on pourrait avoir une démarchant, s'il vous plaît. Merci d'avance. T'es où, Lisa? Ouais, va te reposer comme ça, on peut te soigner. Merci. Ok.
qui est-ce qui va s'occuper de toi? Vache, on peut supposer. Tiens, nettoie. C'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Il y a l'eau qui va lui s'en occuper. Mais bon. C'est vache qui fait ça bien. Alors, on en est où? On tourne à peu près correctement, je vais dire, pour les joints. Mes colons sont inactifs. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je pense qu'on n'a pas fait grand-chose, malheureusement. On n'a pas pu faire grand-chose. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao! Et n'oubliez pas de me donner des noms pour Lisa, pour Rimen, à la limite pour Bud aussi. Enfin, ou ce que vous avez envie de changer comme nom. Et si vous voulez voir votre nom, ben dites-le aussi. Ciao!